Un organe de la transition de la terre aussi est Dieu. Et d'abord, un avant-projet de constitution. On dit bien un avant-projet de constitution. Ce n'est pas le projet d'abord. C'est un avant-projet. Et si en terre ou en cinq, on peut dire un avant-projet, un brouillon. C'est-à-dire, on fait le brouillon, on fait la conception d'une situation donnée qu'on veut réaliser, on met ça sous brouillon. Mais pourquoi faire tout ce bruit autour des brouillons? Voilà, pourquoi faire tout ce bruit autour des brouillons? C'est ce que le monde n'a pas compris. Je ne crois pas. Si les magistrats eux-mêmes, spécialistes en la matière, je ne crois pas. Si eux-mêmes comprennent quelque chose comme ça. Nous pensons que s'ils finissent leur projet, leur avant-projet, ils vont faire déjà un projet pour soumettre à l'ensemble des forces vives. Ils vont soumettre le projet de la nouvelle constitution à l'ensemble des forces vives. Et c'est à nous de valider. C'est à nous de dire ce qui est dit dans ce projet-là. Nous sommes d'avis. C'est à nous de dire on n'est pas d'avis et nous disons à nos milliers et milliers de citoyens, de militants et responsables, nous leur disons ce qui est dans ce projet, nous sommes d'accord. Ou alors, ce qui est dans ce projet n'arrange pas la République de Guinée pour les Guinéens. Dans ce cas, nous devons injecter systématiquement ce projet-là. Moi, je pense que quand ça sera soumis pour analyse, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Normalement. Mais autour du bruit, d'un brouillon qui n'est même pas prévenu d'avoir un bruit, on fait le baptême d'un enfant qui n'est même pas prévenu. Ça, c'est compliqué. Extrêmement compliqué. C'est pour nous dire. De dire à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, que ce qui se décide n'est pas bien pour le peuple. Ce qui se décide n'est pas bien pour le peuple. Par conséquent, le peuple, à travers ses différents composants, doit faire une prise de conscience pour revoir son destin. Le peuple doit revoir son destin. Ce pouvoir est usurpé. Le pouvoir, le peuple doit faire la reconquête et le retour à l'ordre constitutionnel, dans l'ordre, dans la discipline, mais dans la détermination. Nous sommes que des simples civils au même but. Nous n'avons pas de preuves à faire. De force à faire avec une jeune militaire. Mais quand tu me dis quelque chose, tu me dis, ça c'est comme ça. Si je ne peux pas te dire, je refuse. Si je ne peux pas te dire, je refuse. Mais t'as fait une guerre. Quand tu es battu par parcours, une guerre. Donc, ce que tu veux nous présenter, on ne veut pas. Ce que nous demandons. Ici, le 30e décembre, vraiment, les gens ont accepté de respecter ce que nous avons et de libérer la place. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel immédiat.